Was wir hier oben sehen, ist Hotel Everland, ein Einzelzimmerhotel. Projekt von uns, Lang Baumann, Sabine Lang und Daniel Baumann. Das Projekt begann 2002 in der Schweiz auf dem Neuenburger See. Dann ist es nach Leipzig gereicht, auf das Dach der GFZK und ist dann direkt hier nach Paris gekommen, wo wir jetzt sind. In dieser Epoche der 70er wurde sehr viel Visionäres eigentlich konzipiert. Es kamen neue Materialien, es kamen neue Vorstellungen auch vom Leben im Weltall. Und an diesem Punkt haben wir angeknüpft. Und wir haben in einem Punkt eigentlich uns abgesetzt. Wir haben nicht eine geschlossene Kapsel gemacht, sondern eine Kapsel mit einem offenen Fenster. Qui fonctionne comme toutes les chambres d'hôtel de qualité, comme l'est l'hôtel Everland. Donc ça c'est un point important pour qu'ils comprennent bien ce qui est ici dans cet espace assez anachronique. Pourquoi? Pour arriver dans la chambre d'hôtel, on doit traverser des espaces d'exposition. Pourquoi est-ce qu'il faut appeler un gardien pour se faire ouvrir la nuit? La dimension utopique de ce projet, qui était comme ça de placer le public dans une situation impensable, imprévue, à la fois dans une chambre d'hôtel, mais également dans une exposition, dans une œuvre d'art. Très bien, très bien. Il n'y a pas de rideau. D'abord, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, c'est conçu comme une sculpture. Et on habite une sculpture, voilà, où les artistes ont pensé les moindres détails, l'endroit où on est assis, la couleur des murs, le minibar ici, le principe même, l'idée d'habiter dans une sculpture, c'est une idée très contemporaine. Et c'est à ce titre qu'on l'accueille.